Bon allez hop, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la vidéo de Godhead. Hop, on perd pas de, on perd pas de temps, j'en ai déjà perdu suffisamment. J'espère que ça va bien. Je vous aime, vous êtes bien. Bienvenue, c'est bien, c'est Godhead. Et allez, on y va. On va directement à la fin. Merci d'être venu. Non, parce que... Parce que là, voilà, il faut se dépêcher. Donc désolé pour ces petits incidents techniques. Indépendants de ma volonté, comme on dirait sur les chaînes de télé hyper connues. Voilà, mais si le logiciel de capture décide de faire une mise à jour, ça ne se fait pas. Ah, et je suis hors ligne de nouveau. Bon, allez, on y va. Bim. Alors, je me dépêche. Et je suis mort. Voilà, ça c'est normal, c'était prévu, je le savais. J'avais en même temps environ... 1 cm de... 1 mm même, de barre de vie. Et on fait continuer, comme ça on regagne des... on regagne toute sa vie. Mais c'est pas gratuit en fait, hein, ça. C'est-à-dire, c'est un piège. Parce que... Allez, vas-y. Parce qu'en fait, je... Dans le classement, je gagne moins d'argent en ayant fait beaucoup d'essais. Donc c'est pas du tout, du tout bon de recommencer comme ça, comme je le fais. Hein. Oh, il allait se rendre, je crois. En fait, je crois que ça marche pas. Je crois que c'est une ruse, en fait. Quand ils essayent de se rendre et qu'en fait, ils le font pas. Hop, hop, hop. Voilà, je vais te faire ces petits coups qui ont l'air un tout petit peu maladroits, monsieur. Oh, le super. Ah, bah... est-ce que je prends ta cerise? Non, je vais pas prendre ta cerise à toi. Des minutes que tu as avec la cam sans manu, sans le jeu manu. Oui, à peu près, oui, oui, j'ai streamé sur un écran noir pendant 10 minutes. Ça devait être intense, intéressant. Et quand on me disait hey, mais c'est normal que je vois rien, je dis bon, non, c'est rien, c'est une déconnexion. Fais F5. Voilà, mais non, même un F5 ne peut rien pour ça. Oh, ça c'est sympa. Est-ce que je l'utilise tout de suite? Non. Ça, je vais pas l'utiliser tout de suite. Ça, c'est parce que ça, c'est... C'est... Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça, ça a une grande valeur, ce petit bouquin... ce petit bouquin cochon. Il va nous permettre de regagner du Godhead. Et donc du... Waouh, waouh, waouh. Et donc d'utiliser du Godhead... contre les gars qui sont là-haut. Et oui, il y a des mecs qui m'envoient des poignards ou je sais pas quoi là-haut. Ok, on va s'en méfier. Allez, on passe où? Alors, on essaye de les attirer un à un. Ces petits ennemis bien heureux. Ils passent leur temps à danser. Oh, putain! Ah, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que là... J'ai pas... Ah, ça y est! Je peux faire le Godhead, vous avez vu? Ma jauge, elle est passée en orange. C'est le signe. Allez. Alors là, ce que je fais... Eh ben, j'entends directement chercher mon petit magazine et regarder ma petite jauge de... Ma petite jauge de Godhead d'en bas. Eh ben, elle s'est un peu remplie. Enfin, c'est même bien rempli. Suffisamment, en tout cas, pour que je puisse l'utiliser. Je vais me le faire tout de suite, histoire de ne pas gaspiller de vie. Putain, elle dure vraiment, vraiment pas assez de temps, quoi. Oh non! Bon, ça c'est bien, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, non, mais pourquoi lui? Mais normalement, quand il y a un démon qui apparaît... Home run divin, parfait. Quand il y a un démon qui apparaît, les autres ennemis aux alentours, bah, ils peuvent plus attaquer, ils sont juste tout cons. Pourquoi lui, il continue d'attaquer le gars autour? De toute façon, j'ai tué son petit démon. Eh, le home run divin, c'est... Divin. Non, mais je veux dire, cette technique, elle tue, quoi. 700 points, on avait vu.
Et le truc te dégomme un ennemi en 5 secondes. Allez, je récupère ta petite cerise. Ce qui pourrait sous-entendre quelque chose de sale, mais en fait pas du tout. Non, non. Je récupère simplement une cerise. Allez. Non, monsieur. Alors que ma petite somme d'argent, ça arrondit de plus en plus, hein. Je le rappelle, il est dans mon intérêt de ne pas... aller sous la barre des 100 000 gold pour pouvoir accéder à la machine qui me permet de doubler mes gains. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Vas-y. Allez. Rappel, lui, je dois le rendre rouge. Il me frappe avec ses petites moustaches. Ah bah ça y est, tout simplement. Alors qu'on dirait que je suis dans une petite banlieue. Tout ce qu'il y a de plus classique ici. Oh, une petite cerise, c'est cool. Allez, on y va. Bim. Je l'ai pas laissé rire longtemps, elle est juste en train de rigoler. Et elle s'est pris un pain dans la tronche. Ah, zone suivante déjà. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. C'est marrant, ça me dit quelque chose cet endroit. Comme si j'y étais déjà venu, mais que... Et que c'était plus sombre avant. En fait, c'est peut-être pas ça. Parfait. Allez, on grimpe. Le petit chéchiel. Ah ouais, et il y a des caisses. Ah, ça c'est bien. Petite carte. S'il y en avait d'autres de l'autre côté, ça m'aiderait bien. Une banane. Bah c'est cool parce que ça me donne un peu de sous. Hop, vu que j'avais ma vie pleine, bah les bananes, ça me donne des sous. Mais pas de carte qui pourrait me permettre d'avoir des techniques, donc c'est dommage. Allez, on sauvegarde où? Et salut Simon, je suis dégoûté quoi. Skyrim Special Edition est gratuit seulement si tu as acheté le jeu de base. Et les DLC. Ah, et les DLC. Ah, les enfoirés. Ils sont malins. Surtout qu'il y avait... Sur Skyrim, il y avait pas mal de DLC tout de même. Oula, c'était très flou, bizarre cette scène, juste avant. Skyrim, je crois qu'il y avait 30 euros de DLC, il me semble. Non, peut-être pas en 30 euros. Parce qu'il y avait un DLC qui coûtait pas cher, 2-3 euros. C'est quoi ce bruit? We've got a special guest hitting the drums, Double C. Thank you. Oh mon Dieu. Oh putain. C'est Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Oh il fait chier lui. C'est Laurel et Hardy version musicale quoi. Ça va être marrant de taper sur le gros. A chaque fois que je vais taper dessus, ça va faire des bruits. Ça... Ah, t'as passé! Parfait. Oh, ça a été vite. Je vais aller voir autour si je peux pas trouver... Bah, y a rien en fait. Je peux pas péter ça, là. Je peux péter ça, mais est-ce que... Oui, il y a des choses dedans. C'est un jeu où même les plantes te permettent de gagner... Eh, putain! Tes combats. Vous avez... Alors, instinctivement, je me suis mis derrière son pote. En me disant qu'il allait le toucher. Mais en fait, non, pas du tout. Putain, mais j'arrive pas à péter les... Oh oui, ça se... Les trucs de fleurs. Alors, je pense qu'en fait, il faut en priorité toucher le gros. Parce que bah, il fait quand même des dégâts avec son truc là. Des espèces d'instruments de musique sur les tétons. Tandis que lui, il a l'air plutôt une... Ouf, non, il est... Ah non, putain, il fait... Oh là là, non, il fait des dégâts quand même, hein. Ah, pourquoi il est en colère?
Il avait le visage tout rouge. Allez, on reprend la petite cerise. Ça, je prends, parfait. Allez, si, là, s'il y avait une petite... Oh, il y a une petite carte, parfait. Alors, eh ben... Oui, je vais m'attaquer au gros. Ah. Ça va pas marcher. Ok. Il faut qu'il arrête avec sa putain de... Home run divin, parfait. Et regardez sa barre de vie. Instantanément, elle a pris cher quoi. Allez, et le petit coup herbe qui devrait lui enlever. Oh non, ça a pas marché parce qu'il était couché. Mais par contre, ça ne l'a pas usé, donc tant mieux. Coup herbe. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, le combat devrait bien se passer. Je pense pas que ça va être problématique de battre ces deux gugus. Wow! Ah non, ça par contre c'est relou. Mec, arrête avec ton... C'est quand même hyper improbable comme boss. Ok, lui c'est bon, il est bon. Ah bah attends, c'est quoi? J'ai mon Goden. Allez bah allez, parti. On va l'utiliser, c'est fait pour ça. Ah bon. Goden va se terminer bien avant qu'il meure. Oh bah piqûre. Bizarrement en fait, je galère plus maintenant sur les... Vérifier, t'avais ramassé, voilà. Je galère plus sur les gens... les punks de base que... Shit. Oh merde. C'est qui lui? Que les boss. Oh non, que c'est lui. Ah putain, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un autre gars après. Oh, il a l'air un peu lent. Enfin, moi, je suis encore plus lent que lui quand j'attaque. Oh là là. Allez, allez. Et ouais, parce que là, lui, je vais devoir me le faire sans rien, c'est-à-dire à poil. Pas de jauge de Goden, pas de carte qui me permette d'avoir les pouvoirs, là. Rien. Techniquement, ça a l'air possible. Hein. Il suffit de bien éviter ses coups. C'est vrai qu'il est plutôt imprévisible, là, avec sa guitare. Il va assez vite pour attaquer. Parfait, parfait, parfait. Et bah finalement ça se sera plutôt bien passé. Regardez, il a moins de vie que moi. Il a l'air légèrement moins con que ses deux collègues musiciens. Peut-être ça c'est un jeu qu'il faut jouer pour la fête de la musique. Oh putain, non, pas ça. Oh non, attends. Ah non, tu vas pas me... Ah non, il va pas me buter maintenant. Ah, c'est bon. Ah, c'est chiant! Allez, allez, allez! Oh! Alors, vérifiez, qu'est-ce qu'il a à me dire? Un batteur et deux guitaristes. C'est tout? Si je regarde le beau gosse, là, avec ses... Ah non, il dit rien sur lui. Je crois que tout à l'heure, il disait... Ouais, tout à l'heure, il voulait bien dire un truc, mais là, il veut plus. J'ai rien loupé par hasard? Pas des trucs dans la fontaine? Non, ça n'a pas l'air. Bonsoir à toi, Didi. Oh, ça fait plaisir de te voir. Comment est-ce que tu vas? Il est fun comme boss, mais tous les boss de ce jeu sont putain de fun, quoi. Enfin, jusque-là, on a eu que des trucs qui étaient... C'est complètement what the fuck, enfin... Je rappelle quand même, hein. Du Sentai... genre Power Ranger japonais, Bioman, tout ça... Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu un trio de personnages assez bizarres.
tous les fun. On a les démons qui eux-mêmes sont assez chelous en fait. Je suis déconnecté, ça me dit ouais, ça arrête pas de se déconnecter. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh là là! Non? Bon, ça a l'air d'être normal. Ah, genre, faut éviter le... Ça y est, ok, nickel, nickel. Hop, on va pas prendre de risque. Voilà, on revient en arrière. En fait, c'est assez simple. Voilà. Très simple même. Oh, il y avait un clown dedans. Il est complètement sonné. Non, putain, j'ai pas réussi l'attaque. Bon, ça va, les clowns, je crois qu'ils sont pas trop difficiles à tuer. Allez, petite piqûre. Qui devrait nous terminer, ce petit clown. Et tant mieux parce que j'ai plus beaucoup de vie moi-même. Hop, allez, une petite souris, ça fait du bien par où ça passe. Tiens, une petite caisse, ça va. Des fois que... Oh, ça c'est bien. Paradis de caisse. Alors du gold, c'est bien. Par contre, j'aimerais éviter de remourir encore une fois pour replomber mon chapitre. Ça serait bien que j'ai de la vie aussi. Bah, juste pour avoir un petit peu de sous en fin de chapitre, parce que si on meurt trop, bah comme je l'ai dit, c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour notre rang. Mais le jeu a pas l'air enclin à me donner de quoi me soigner. Bon bah tant pis. J'ai toujours pas de carte de technique malheureusement. J'ai un petit peu de Godend. Et là, je pense que... On va bientôt affronter le gros boss, en fait. Qu'on a déjà affronté deux fois. Et qui était là en mode démon. Et continue, on y va. Puis le technicien SFR a été très efficace. Ah, les techniciens SFR. Ils vous appellent pour vous dire « Ah ouais, vous avez des pannes, c'est vrai !» Bah nous aussi on a des pannes, alors du coup on peut pas venir. L'arroseur a arrosé quoi. Alors. Oh punaise, ça c'est bien. Allez, là j'ai potentiellement avec cette petite carte un Omuron divin. Donc c'est bien. Oh bah voilà, tiens c'est ce que j'avais dit juste avant. You know, stalkers aren't very popular with the ladies. And looking at you, you need all the help you can get. Bald and you're... That's enough, cabron. Je suis désolé. Hein. Je veux pas être méchant, mais je pense que... Le fait qu'il soit un petit peu lisse du bulbe ne soit pas le premier problème chez lui. You came to pay for her lessons. Lessons? Pendejon, what did you do with my Shannon? Come on, you gotta be kidding. Don't tell me a big guy like you has a thing for that hyperactive nympho. Oh, get ready, cabron. Par contre, c'est un peu relou de voir leur affronter là. Alors même s'ils changent de forme et tout, j'imagine que... Qu'est-ce qu'il fait? J'imagine que la technique va être la même, quoi. Et les boutons de chemise sont pas loin de craquer là. Alors, Beautiful Elvis and Shine. Que ce serait pas d'ailleurs un petit clin d'œil à Beautiful Joe. Oh, il a des bouches partout. On dirait le... Ah merde, je me souviens plus. Les espèces de poulets dans Mario, vous savez.
Avec des dents là, ouais. Mais attends, je te rappelle que j'ai pas de vie, mec. Oui. Bon. Eh ben allez. Il est bizarrement bien animé, enfin je veux dire pour de la PS2, franchement c'est pas mal. Hein. Allez, home run divin. De toute façon il est clair que je vais crever. Parce que, bah, il va falloir que j'apprenne à... Alors j'avais pas beaucoup de vie d'une. Et puis, putain. Il va falloir que j'apprenne bah, son pattern, quoi. Ah, putain! Et hop. Hors de bon. Ouais, il va peut-être pas être si simple, celui-là, par contre, à tuer. Hein. Il va peut-être pas être si simple. Hop, hop, hop. Allez, on va mettre toutes les chances de notre côté. Direct, Godend. J'essaierai de faire le truc divin juste après. Rien que là, ça permet de lui enlever pas mal de vie quand même. Merde, j'ai fait les 100 points. Bon, tant pis. Ça va lui enlever moins de vie, mais... Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, regardez. Ça lui enlève quand même pas mal... Mais pas autant que je voudrais. Oh, une orange! Et bonne nouvelle. Oh, une orange, une banane, mais on va peut-être pouvoir se faire une petite salade de fruits. Joli, joli, joli. Aïe! Allez. Oh, merde! La moitié... Putain, il a la moitié de sa vie, mais... Alors, moi, j'ai vraiment bien perdu aussi. J'ai plus de caisses. Ah, il est... Ah ouais, non, il va être très très dur quand même. Lui, c'est pas sa vie qui est chiante à faire baisser, ça va à peu près. C'est qu'en fait, j'arrive pas à prévoir ses attaques. Je le connais pas. Et il est vachement imprévisible. Bah, il a toujours les attaques qu'il avait quand il était, on va dire, humain. Enfin, à peu près regardable. Même si finalement, quelque part, il est peut-être plus beau gosse comme ça. Ouais, bon. J'ai une histoire similaire avec un technicien orange. Histoire d'amour, j'espère, Simon. Nous, c'est pas de l'amour, en tout cas. Ou alors, il m'a posé un lapin, parce qu'il vient pas, le truc. Bon. Il me suffirait même... Oh, punaise. D'avoir un... Allez, vite, vite, vite. Le home run divin. Il me suffirait même d'avoir un autre bouquin pour recharger mon Godend. Et ça se passerait déjà pas mal, quoi. Ouais, mais quand il siffle, en fait, c'est qu'il y a des pièges, je crois, à l'intérieur. Hein. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Enfin, disons que c'est bien, mais c'est pas ce qui va m'aider à le tuer. Putain, j'ai eu aucun fruit. Attends, il y en a encore une de caisse, là? Ah ouais, encore une, deux. Merci de m'avoir donné une cerise. Ça va être utile, ça va certainement beaucoup m'aider. Hop hop. Ah, à chaque fois j'essaye de l'éviter ça, et impossible quoi. Il est... Bizarrement, enfin, il a une...
Il est tellement considérable de taille, tu te dis, oh, c'est bon, tu peux l'éviter facile. Mais pas du tout! Il est super rapide! Ouais, mais là, j'ai pas eu de chance, quoi. J'ai pas eu de chance. C'est vraiment, je l'avais déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment un jeu où la chance est primordiale parce que il faut tomber sur les bonnes caisses avec les bons trucs dedans, quoi. Par contre, je dois avouer que ça, enfin, je m'attendais à autre chose concernant la forme démoniaque des boss. Hein. Qui a complètement, enfin, qui a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Oh, m'a donné une cerise, de mieux en mieux. Et là, il m'a donné une orange. Ça ne me convient pas. Allez. On va le taper jusqu'à ce que... Voilà. Comme ça. On recommence. Mais la petite frappe au début, gratuite, là, c'est juste pour me dire, j'en ai marre de toi. Laisse-moi juste te frapper un petit moment avant de reprendre mes caisses. Hop! Oui, je crois que c'est bon, ça. Et oui. Et là, imaginez, il me donne deux cartes. Oh, une orange. Ah ah. Voilà une configuration qui peut être sympa. Allez, on y va. Non, non, non. Il faut qu'il soit assez proche pour que je réussisse mon home run divin. Voilà. On va voir si la carte qui est là-bas me donne deux points. C'est quoi, ça? Oui, 3. Ah, ouais, ça, elle est bien. Alors là, j'avoue. Oh, hop, hop, hop. On a vu la morsure au ralenti. Ça... Oh. Et c'est pas mal là. Et un petit coup d'herbe. En fait, j'aurais pas dû faire le coup d'herbe, j'aurais dû faire la technique qui fait que on peut l'attaquer après. Enfin, qu'on peut lui faire un QTE. Voilà, nous sommes dans le rare cas où j'ai plus de vie que le boss. Ça ne dure pas longtemps, rassurez-vous. Oh putain. Je peux plus reculer. Non, me tue pas. Voilà, il frime un petit peu. Hop. C'est quand même un boss qui doit galérer le matin à tartiner ses tartines. Ça, c'est le genre à péter les tartines avec quand il essaye de les beurrer, quoi. Je voudrais pas dire, mais voilà, il a des points, c'est... C'est quand même assez terrible. C'est un handicap. Oh, je veux me faire tuer. Vous le sentez, la petite mort? Vous le sentez? Ouh, le sort, la petite mort. Elle était mignonne. Ah, oh, putain. Là, j'avais de la chance. Normalement, ça aurait dû passer. Voilà, une cerise. Ouais. Oh, une banane. Là, je vais avoir une orange. Qu'est-ce qui va bien avec les cerises et les bananes? Dans une salade de fruits, pas grand-chose, je crois. Ah, deux cerises et quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Bah, je sais pas. Ah.
Alors là, je fais, j'enchaîne direct avec le Homo Divin, parce que je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée. Si tu fais le Goden plus les techniques, est-ce que ça... Non, ça fait rien. Est-ce que ça rend tes techniques plus puissantes? Et en fait, pas du tout. Ah, punaise! Non, 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 pas ça! Pas la boule de feu! Ah non, pas ça! Pas le miam miam. Allez. Après ça, il me restera une petite banane. C'est pour ça qu'il va beaucoup m'aider, hein. J'ai du mal à encore différencier les fois où il utilise sa boule de feu et cette technique-là. Où il s'entoure de feu. Et du coup, à chaque fois, bah, j'ai tendance à l'esquiver alors que il faut attendre. Il faut attendre pour l'attaquer. Malgré tout, encore une fois, j'ai plus de vécu. Si seulement là, ça, j'avais assez pour lancer mon Goden. Mais là, ça serait parfait, quoi. Oh, mon Goden est peut-être pas loin. Si je réussis à l'avoir... Je pense que je peux gagner. Ouais. Aïe, 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 aïe. Si je l'ai, c'est maintenant ou jamais. Ça se remplit, ça se remplit. C'est bon, je l'ai! Oh, alors là... Oh, ça y est, il va mourir. Oh, il est mort, mais en plus, il est bien mort, quoi. J'ai eu du mal. Et je l'ai quand même été lui donner un petit coup à la fin, tu sais. On sait jamais. Allez, vas-y, va mourir, toi. Coucou, Julia, je ne t'ai pas vu. Allez, où? Oh, bah, vraiment. Pourquoi, Manu? What is it? Tell Shannon, I was the bravest man you ever. Je suis en 140. Ouais, je peux rien faire d'autre. Je vais rien de mes soirées. Il a récupéré son cigare. Ouais. You know, if you weren't a demon, we could have been friends. GG, merci à toi, Kiba. Donc, villageois. Ouais, bah ouais, j'ai tué le mec. Putain, on perd carrément du fric quand on tue un villageois, quoi. Ce qui veut dire que j'ai gagné 5050 seulement. 3000 pour avoir tué un villageois. C'est vrai, c'est moi qui l'ai buté en plus. J'ai complètement buté ce mec. Bon, par contre, ça fait un démon en moins. Ah, mais c'était lui. Oui. C'était le gros qu'on avait déjà affronté plusieurs fois, quoi. Donc oui, parce que là, il avait l'habitude de se faire racler la gueule. Évidemment qu'elle va pas pleurer, il s'aime pas.
Et après de repartir, et puis il revenait en pleine réunion avec lui, là, et puis il parlait et tout. Là, lui, au moins, il est mort, c'est définitif, c'est bon. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on va avoir un duel contre la fille, mais cette fois-ci transformée en démon. Belze, it's my turn now. Get off my... very well, then. He's all yours. Soon I'll introduce him as my housebroken pet. Meow. Je croyais que son truc à elle, c'était plus si chihuahua que les chatons. Alors, mais attendez, c'est qu'on se dirigerait... ça doit être quelque chose comme l'avant-dernier chapitre, ça. Alors, attendez, on voit bien les routes. Toc, toc. Touc. Ah oui, ça a l'air d'être ça. Ouais, ouais. Et une petite dernière route. Alors, j'imagine que le dernier... petite dernière route, là, ça va être une petite tour. Ça va être rapide, je pense. Parce que ça va être le boss de fin, certainement, un truc comme ça. Bon. Nuit sur la montagne chauve. On va aller au magasin. Et puis on va s'acheter, on va faire des petites emplettes. Parce que normalement, après chaque petit chapitre terminé, on a des petites surprises qui me permettent d'augmenter mon personnage. Oh mais regardez, petit smoothie soleil là. Hop, 42 vies en plus. Et l'assiette dorée. Voilà, une petite sphère en plus. Et ça, c'est fait. Il me reste 173 000. Puisque je suis riche. Alors, point chargé, triple point de côté, nanana, double éclair... Ah, voilà des nouveaux. Alors, jongle avec l'ennemi, jongle avec l'ennemi, éviter les attaques hautes, oh. Ouais. Ouais. Fais voir, là. Attends, c'était laquelle, hein? Éviter les attaques hautes, là. En fait, je me dis que mettre ça dans son combo, ça peut être intéressant. Parce que, certes, tu perds de l'efficacité au niveau de ton combo. Mais par contre, si lui, il essaye de te taper en même temps, et ben, tu vas le rater. Parce que la plupart du temps, quand ils font, c'est des attaques hautes quand ils te frappent. Alors, je me dis que ça pourrait être intéressant. Ouais, celui-là par contre, non, parce qu'il n'est fait que 12 de dégâts, donc faut pas exagérer quoi. Oui, je suis toujours, je disais, en pleine élaboration de mon combo parfait. Lance ennemi, 26, non. Soba cassant. Lance ennemi, ah non, je croyais que ça cassait la garde, moi. Du coup, c'est pas intéressant non plus. Genou volant. Jongle avec l'ennemi. Un casse-garde que j'ai, qui n'est pas nouveau. Ah. Jongle avec l'ennemi et lance ennemi. Non. Oh, celui-là, il est nouveau, par contre. Ce qui est bien, c'est que lui, il est plutôt rapide, mine de rien. Je vais l'acheter, Ah, bah oui, il est nouveau, le papier flottant. 17. Dos du poing, maintenant. Ah. 14. Aucun effet. Direct 3 qui fait 15, qui est rapide pour le coup. Je pense que les coups comme ça qui s'appellent direct sont faits pour être enchaînés avec d'autres directs. Alors, non, je vais pas définir la technique. Je vais aller sur roulette pour voir si ça a quelque chose à me proposer de nouveau. Des fois que il a le discombulateur. Utilise une sphère et ça fait quoi? Technique homme à homme, force d'attaque 320. C'est bien ça, attends, 320. C'est pas mal pour un truc à une sphère. Je crois que c'est la technique à une sphère qui est le plus puissant. Donc c'est bien. On va essayer. Allez. Voilà, on va définir les techniques sur roulette. Parce que, en fait, moi, je ne peux avoir que ces techniques-là. Ce qui est à droite, c'est ma réserve. Donc en fait. Il va falloir que j'exclue une technique. On va dire que ça va se jouer parmi celles-ci. La bomba, allez. Pff, la bomba.
Et hop. Regardez. Celle-ci, je le rappelle, le discombulator, là, elle fait 320, celle-ci 140, celle-ci 130, celle-ci 80. Donc c'est vraiment la plus puissante des techniques que j'ai et qui ne coûte qu'une sphère. Ça, par contre, ça va être vraiment être bien. Maintenant, je vais me... Je vais regarder un petit peu pour me faire un petit combo. Bonjour. Ouh, que tu es jolie. Bonjour, mademoiselle Little Unicorn, comment ça va? Je suis sur le live, mais pas trop. Beaucoup, je rédige un mail. Bon rédigeage de mail. Je pensais qu'elle préférait les chihuahuas. Je croyais aussi. Mais écoute, visiblement, elle aime bien les chats. Tu peux tenter ta chance, Kiva. Alors, technique. Alors, celle-ci, c'est une claque. Putain, Casse-Garde, il est là. Parce que j'ai du 18, lui c'est un casse-garde de 18. Ouais, moi j'aurais bien mis ma technique qui évite pour éviter l'ennemi. Casse-garde, jungle avec l'ennemi, attaque chargée, irrésistible. Je sais pas ce que c'est que ça. J'en ai pas en tout cas, canon de lui. Éviter les attaques hautes, voilà. Celle-ci, je l'aurais bien mis ici. Parce que bon, tu sais, celle-ci, elle fait 25. Ouais, mais elle lance une... Ouais. Ça pourrait le faire. Mais non, j'ai mis la chute de l'ivrogne. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est celle-ci. Voilà, éviter l'attaque haute. Ce qui fait que... Hop, là, il va donner une attaque qui va possible... Il va donc frapper en évitant les attaques. Là, il fait un petit casse-garde. La 28, la 20. Et là, il lance l'ennemi. On va essayer comme ça. Ça ne fait qu'un coup que j'ai échangé. Mais si ça se trouve, ça va faire la différence. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. Hop. Pardon, j'ai pété les vitres. Allez, on va se casser en courant. Parce que c'est pas très honnête quand même. Baisser because. Ok, moi je pensais que ça voulait dire beaucoup. Quoi ? BCP, ça veut dire beaucoup, alors il y a là juste oublié de mettre. Moi aussi je parle le SMS. Hein. Allez, sauvegarde terminée. Il nous reste... Ben non, il nous reste pas de temps. Bon, on va quand même continuer un petit peu. On va faire une petite dernière, on va commencer le chapitre, là, on va voir comment ça se présente. On va voir la petite cinématique aussi. Avec sa copine. Oh! Ah, vas-y, donne la technique. Didn't I ask you to stay here? Well, I need a favor in return. That explains the gift. It seems some people have been forced into slavery by the demons. I feel their pain. I'm a slave too. I think I made a mistake. Faire attention avec la hache sous l'eau, elle va rouiller, madame. Le jeu est quand même beau, je trouve. C'est Nemesis qui disait ça la dernière fois. Et c'est vrai que pour un jeu PS2, bah, c'est pas mal. La Bomba 2 qu'elle m'a donnée, qui sortait tout droit de son bain. Elle est toute nue, elle est toute nue. Toute nue. Alors la Bomba 2, ça vaut quoi, ça? Pouf, 400, c'est pas mal. Alors moi, c'est un coup du dragon 400. Allez, à la place du lancer sauvage, hop. Elle est pas mal, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. J'adore. Allez, allons testoyer notre nouvelle technique. Nouvelle technique. Une petite musique qui est bien sympa, tiens. Hop, on n'oublie pas les classiques, c'est-à-dire un punk, un tonneau, on peut faire quelque chose. Alors regardez, hop, hop, parfait, 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 c'est parfait. Ouais, par contre, c'est un peu chiant ça, parce que
Si tous les ennemis finissent en bas dans le ravin, bah ils me filent pas ni de fruits, ni de ce que vous voulez quoi. Ni de cartes. Hein, vous savez les cartes que j'adore. Mais merde, ça fait 4 ennemis que je tue, ils sont tous partis en bas. Ah bon, ils sont pas partis tout seuls, je les ai un peu aidés, mais... Ah, je peux sauter en bas par là. Mais bon, c'est relou. Il y en a un autre, là. Alors, eux... Voilà, qu'est-ce que tu fais, là? Il va falloir te calmer, la Spider-Man, hein. Oh, putain! Putain, regardez, ils ont déjà presque plus de vie. On va s'éloigner. Hein? La dernière fois que j'ai essayé d'aider un mec. Non, mais ne tombe pas! La dernière fois que j'ai essayé d'aider un mec et qu'il était dessous comme ça, il est mort. Hein. Bon, c'est bon. Ils vont me donner des fruits comme d'hab. Putain, mais 2 cerises quoi, je fais quoi avec ça? Ça m'apprendra à moins bosser. Ah ouais, d'accord. Ah, il parle, j'ai pas vu. Oh, ça c'est bon. On peut voir que d'ailleurs maintenant, j'ai 5 sphères. Là. Les esclaves s'en sortent bien mieux. Bien. Allez, on y va. Ah, par contre, c'est un peu chiant que... J'ai pas eu grand chose du coup. En les jetant tous là. Alors, tiens, bonjour monsieur. Oh, la belle crête, monsieur le punk. Bim. Ah ah! J'ai peut-être vu un petit truc qui déconne avec ma technique. C'est qu'en fait... Eh ben, on va échanger deux techniques. On va échanger... Ça va être un casse-garde. Parce que le casse-garde, là, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Il faudrait mettre le casse... Peut-être à la place de celui-là. On va essayer. À classe du coup, au croisé, je mets le Tsoba tournoyant qui est un coup de pied. Très bien. Attends, c'est... Bah, c'est un casse-garde, donc je vais directement aller dans les filtres casse-garde, ça ira plus vite. Voilà, casse-garde. Oh, j'en ai deux nouveaux, tiens. Soba tournoyant. Pouf, ça va les échanger. Ce qui fait que maintenant, mon casse-garde, il sera en 4e position dans mon combo. On va tester ça. Si ça marche pas, je le mets en 5e position. Mais pourquoi il vole, lui, quand je le touche? J'ai aucun coup qui fait ça, hein. Ouais. Hey, ça, c'est bien. Je pense qu'à force, je vais atteindre la perfection du combo. Vas-y, donne-moi ta petite poupoutre. Oh putain, qu'est-ce qu'il... Ah oui, c'est vrai, regardez, il a lancé... Oh non, il a récupéré la poudre de son copain. Il est complètement chauve, il a perdu sa crête, il me l'a lancé à la gueule. C'est qu'ils vont finir par me buter. Bon, allez, on s'en fout. On prend pas de risque. Et on y va. Hop, hein. Peut-être pas... Ils vont peut-être pas me faire chier longtemps, eux, hein. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Home run divin. Oh, toi, tu vas toucher le mot home run. Allez, hop. Bim! Putain, il a failli me tuer ce tarba là! Mais il peut encore me tuer, bordel! Il est pas encore mort, mais. Non, je vais essayer de le récupérer là. Voilà, ça. Oh non! Oh non!
Salut DVD. Ça va? Je suis tristesse. Putain, j'ai juste de commencer, je suis déjà mort, quoi. Ah, par contre, ça m'a remis, là. Oh là là. Oh là. Ah, il m'a enlevé. Ah, il m'a envoyé sa crête dans le vide. Bien fait. Ça t'apprendra à prendre soin de tes cheveux. C'est vrai que, par contre, c'est un peu une anomalie capillaire, ça, monsieur. C'est pas normal de pouvoir faire ça. Eh, mais elle a repoussé. Et tout à l'heure, elle est pas repoussée. Aïe, 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 aïe. Oh là là, mais là, mais là, mais là, mais... Hop, 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 et là, je me tiens... Et là, je me tape tout le monde, hein. Alors là, du coup, on va faire le disco machin. Ah, elle est bien, cette technique. Je voulais la tester, en fait, c'est pour ça. Regardez. Bim. Bon. Voilà. Oh, en plus, il m'a redonné une petite carte, comme c'est gentil. Allez, toi, on va t'écrasouiller. Tu peux me donner ta poutrelle, ça me rendait plutôt service. Allez, toi, tu te manges. Comme on dit, je touche du bois. Bah, toi, tu l'as touché de très près. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est lui qui m'a fait Onegashima, ça? Ouais! Discombulator! Ah, cette technique, je pense que vous allez la revoir souvent, en fait. Il est rapide, lui, hein? Par contre, il a une coupe de cheveux de merde. Va falloir... Falloir arrêter ça, monsieur, quoi. Il est juste sur le côté. Il s'est laissé une petite touffe sur le côté. C'est mignon, mais bon. Voilà. Oh, il m'a laissé son sabre. Je peux le prendre? Oh, ah, c'est trop bien. Regardez. Ah oui, il prend même la position du sabre et tout, quoi. Nickel. Allez, on y va. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Le point marteau gagné. Alors regardez ce que c'est que ça, technique. Bon bah j'imagine que c'est une technique de points. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, présentiment. 19. Une technique qui permet de jongler avec l'ennemi. Ouais. Ah 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 ah. Des bidons, 10 ennemis qui vont apparaître. Ah non? Je peux couper ça? C'est bizarre. Je sais pas. En tout cas, la musique est bien cool ici. Ah, d'accord. Ah bah oui, je me disais, c'est bizarre. Bah, c'est logique, là, tout d'un coup. Oh, une orange! Oh là là! Oh, il y a du peuple! On va faire le disco machin. Hein. Eh ouais, l'avantage c'est que ça touche tout le monde! Merde, ça crête à repousser à lui. Est-ce que je peux pas prendre des trucs, là, les flambeaux? Mais oui, je peux! Parfait! Il en reste encore un, je crois. Ah, deux, même. Oh, regardez-la, elle, là-bas. Elle fait semblant de pleurer et tout. Elle est mignonne. Tiens. Oh merde! Je l'ai lancé, c'est passé au travers!
Hop. Tu t'arranges. Allez, on y va. Salut Mera et salut à toi, Falouteur. Comment est-ce qu'il va celui-là? Ah, vous avez vu, c'est pas mal ça. J'ai placé mon casse-garde où il fallait, je pense. Là, je pense que c'est bien. J'ai pu retoucher jusqu'à ce que j'obtienne une autre technique, évidemment. De toute façon, j'y retouche tout le temps. Allez, zone suivante. On dirait que la porte s'est ouverte. Et bah voilà. Et bah du coup, on va s'arrêter là. Salut à toi, Yaryu Game. Tu arrives juste à la fin. Donc, hop, on sauvegarde. Donc, on va se retrouver, nous, demain, si vous voulez bien, sur... Est-ce que je dis... Bon, on verra. Je suis pas encore décidé, on verra. Ouais, on verra. Je ferai une petite surprise, on verra ce que vous en pensez. Mais par contre, ce que je voulais vraiment pas que vous loupiez, ça va être la soirée d'Halloween qu'on va faire avec Véronica, donc lundi. Lundi, c'est le 31. Et on vous a préparé quelques petits trucs qui seront bien sympas. Comme j'ai dit hier, pas des trucs très récents, hein, mais voilà, vraiment des trucs pour faire peur. Et je pense que c'est tout ce qu'on veut communiquer avec Halloween, voilà. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous demain. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être venu. Et ce que je vous le dis. Bon, allez, demain, ce sera Tomorrow's Children. C'est un jeu bizarre. Où moi-même, j'ai rien compris. Metro Last Light. Où moi-même, j'ai rien compris, mais... Je pense que c'est intéressant de le faire en live. Voilà. Passez à tous une très bonne nuit, un très bon samedi, et merci d'y passer. À demain.